ça chouette. Je trouvais que c'était vraiment Talfit, quoi. C'est vraiment Ahmed, c'est vraiment son univers. C'est un côté assez sombre, assez mystérieux. C'est pas frais printanier, mais c'est son univers. C'est les silhouettes fortes, c'est le cuir, c'est la lumière assez dense, c'est la musique particulière. Moi j'aime beaucoup. J'ai toujours été depuis le début une grande fan de Ahmed. Et je connaissais déjà les vêtements, mais je trouve que la manière dont il a présenté, de manière assez nouvelle, je trouve ça vachement bien. C'est une expo performance, présente en collaboration avec Haitham Ogra, Waveform et Atelier D avec Abdelaziz Bougate. Il y avait aussi Elias Khan, un chanteur pakistanais qui est venu spécialement pour le show et qui a chanté en live et tout ça. Bon, le concept et l'idée du show, c'est Apocalypse avec point d'interrogation. Et là, on se pose la question. Cette femme qui n'a jamais cessé d'évoluer à travers les civilisations, les Tadeoptouns, et maintenant on se pose la question pour voir si la femme elle va continuer à évoluer ou bien ça sera l'apocalypse pour l'évolution de la femme. Mais comme vous avez remarqué, Mouata dans le show, c'est la femme tunisienne qui a pu vaincre les forces de l'obscurantisme. Et c'est un message d'espoir malgré tout ce qu'il y a de mystérieux dans la mise en scène. Le show, si vous avez remarqué, dans le passage final, il y avait la robe phare, mais qui est la robe en paillettes, qui présente, les armahiyya, la robe. D'habitude, je travaille toujours, j'essaie toujours de suivre l'actualité dans mes concepts, dans mes thèmes sur lesquels je travaille. Donc voilà, et maintenant, moi je pose la question à propos de la femme, donc j'ai travaillé sur elle.